On est à Los Angeles. Wouhou, yeah. On est au jardin botaniste. Botanique. Botanique. C'est pas le botaniste, c'est pas le bar à tout. C'est pas le bar. Bienvenue au jardin botanique. Là. Là. Arrivé au temple Byodo-in. Le voilà. Boum, c'était super bien, super beau. Il y a plein de cas. Il y a plein de cas. Il y a plein de petits oiseaux aussi, petits jaunes. Très mignon. Très mignon. Et on a pu faire le gong. Enfin, j'ai pu faire le gong. Tom, je ne vais pas faire le truc. Oui. Voilà. Mais c'était cool. Voilà. Nous allons, et là son petit siège, nous allons à la plage après avoir tourné pendant 2 heures pour avoir une place. On a tourné pendant 10 minutes. Bon, 10 minutes de rythme. Nous allons à la plage et on espère qu'elle soit super belle. On n'a pas fait tout ça pour rien quand même. Et qu'est-ce qu'on prend? On prend du restaurant. Électrique au niveau d'une Diamond Head et là on est en train de monter et c'est pas facile, hein. C'est pas facile, il fait très chaud et du coup on a envie de tout arrêter, mais on continue 100 mètres. Voilà. Bon, du coup on se retrouve en haut. On a pédalé jusqu'à Waikiki Beach et là on est devant le duc. C'est le père du surf. Voilà. Bon, là on est prêt. On va aller, on a mangé déjà, on a mangé notre Pokéball et on va aller du coup sur la North Shore pour voir les vagues, les surfeurs et les tortues normalement. Donc on va voir si on voit tout ça. Ouais.
banc de sable. C'est un banc de sable où en fait l'eau avec... On a l'eau jusqu'à la taille. Mais c'est plutôt chouette parce que les flots sont vraiment cristallines. Et franchement c'est trop beau. Et on voit les montagnes qui vont entrer juste après. La table est en train de poser l'ancre. C'était un petit peu dur quand même d'aller jusqu'ici, mais on l'a fait. Donc on est arrivé à Volcano West National Park, un parc vraiment sublime où on voit tous les volcans. Il y a plein de randonnées à faire, voilà, il y a plein de choses à faire. Là il y a énormément de vent donc on n'entend absolument rien de ce que je dis. Et là ce que j'étais en train de vous montrer c'est des petites vapeurs qui sortent du sol, donc c'est des vapeurs d'eau. Donc c'est très sympa à voir ici. Et ensuite on va faire le petit circuit en voiture pour voir la suite du parc avec les différents points de vue. Voilà. Alors on est en train de marcher vers le tube de lave. On va voir ce que ça donne. Vacuine. La nature. Alors maintenant qu'on a vu le lavatube, vous avez dû voir les images juste avant. Maintenant, on s'est fait une petite rando parce que nous, on est grave des randonneurs. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas une petite dizaine de kilomètres, c'est pas mal quoi. Voilà. Donc, on va aller au milieu d'un cratère et on verra si on fait bien 10 km ou pas. Nous étions arrivés au milieu du cratère, là où il y a un chemin qui traverse tout le cratère, c'est vraiment magnifique, mais il y avait beaucoup de vent, donc on n'entend absolument rien de ce que je dis. Voilà, donc on n'a pas marché 10 km finalement, on a marché que quelques kilomètres, et c'était déjà super. Super beau, et là on va aller à la Rainbow Falls. Bon, il n'y aura pas d'arc-en-ciel parce que c'est l'après-midi, tant pis, mais après on ira au volcan.
sud. Bon, toutes les voitures sont alignées pour le sunset. Nous, on n'est pas arrivé assez tôt pour être au bon spot. Donc, on va devoir sortir la voiture. Mais là, c'est plutôt stylé. Franchement, franchement, super stylé. Tom qui fait la sieste, voilà. Pendant qu'on attend le sunset. Je suis la seule survivante. Tom allait se réchauffer dans la voiture. Voilà le sunset. Malasada, très bon. C'est une sorte de beignet. Moi j'ai pris beignet normal et Tom. Un mochi malasada. C'est une consistance de mochi et dedans c'est un beignet. On est en train d'attendre pour quoi, Tom? Pour aller voir des raies dans l'eau complètement noire. Des raies montagnes. Ah, de c'est nuit. Peut-être ça. C'est peut-être ça. Non, je pense pas. Et en fait, du coup, ils mettent des lumières pour attirer les planctons. Et ça attire les raies qui viennent se nourrir, manger. Et on peut les voir juste en dessous de nous. Donc ouais, ça fait grave flipper, mais je pense que ça va aller parce qu'on sera plusieurs quand même dans le bateau. Voilà, ça va être stylé. On est arrivé au Waimea Canyon, qui est le canyon du Pacifique, et c'est super beau. Voilà, on va vous montrer. Bon, on a essayé d'aller voir la Napali Coast, mais c'était très nuageux, donc on voyait rien.
On est sur le cours de la Napalikos. Il y a des campements de montagne qui sont des grands. Ok. Je filme trop mal. Un petit stand de fruits, il nous a servi du guacamole et du... Un ananas entier. Non, ça c'est nous qui l'avons pris. Et une sauce à l'ananas pour les chips, c'est super bon. Et un plateau de fruits. Il voulait qu'on goûte tout, voilà. Mais c'était très très bon, il était très gentil. Et du coup, on a acheté plein de trucs. Et on a acheté des bananes aussi, évidemment. Et on a un buffet à volonté à manger dans 4 heures. On entend ça. Alors, on est au Luau. C'est un repas traditionnel avec des chants, des danses, apparemment des activités, nous ne sommes pas au courant. Et on nous a donné ce petit collier de coquillage qui est très joli, qu'on va pouvoir garder en souvenir, donc c'est cool, c'est trop mignon. Et on a fait des petites photos, mais bon, on est comme un banquet, on est assis à côté d'autres personnes. Et du coup, voilà, on va pouvoir sociabiliser, parler en anglais surtout. Il y a un open bar. Donc ça, c'est cool.